Le village des fées. Il y était une fois, dans un petit village de fées, une fée âgée de 40 ans qui avait une fille. Sa fille s'appelait Léa, elle avait 10 ans. Elle rêvait de partir dans le pays des humains. Elle dit à sa mère, « Oh maman, puis-je partir dans le pays des humains? Ça a l'air tellement bien. Et puis, personne ne me verra. » « Non, dit la mère, va te coucher maintenant. Demain, on se lève tôt. C'est le voyage des fées. » À 5h du matin, Léa s'enfuit du village. « En route vers le village des humains ! Oui » cria-t-elle. Mais tout à coup, elle tomba nez à nez avec un dragon à 5 têtes et un loup affamé. Léa cria « Maman !» La mère l'entendit. « Ma fille Léa, j'arrive !» La mère prit une flûte enchantée et un gros morceau de viande. Elle se précipita et cria « Léa, j'arrive à ton secours !» Quand elle arriva vers sa fille, le dragon à 5 têtes et le loup. La mère joua une douce et belle berceuse et le dragon s'endormit. « Maman, que fait-on du loup ?» dit la fille. La mère jeta la viande et le loup se jeta dessus. Elle s'enfuit vite avec sa fille rejoindre le groupe des fées. Quelques années plus tard, sa fille eut 3 merveilles et vit heureuse.